so far away from home. In this desert of regrets, never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless night. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. Vous me voyez en train de préparer les petites douceurs du dimanche. J'ai essayé de filmer un petit peu tous les jours de manière à pouvoir vous sortir quand même un vlog en fin de semaine. Voilà, j'ai fait de mon mieux. J'avais beaucoup de travail, donc il y a quand même eu peu de moments de détente. Hormis, bien entendu, les fameuses sorties de Poppy quotidiennes et indispensables. Comme vous le voyez, mais c'est un petit peu partout pareil, un temps extrêmement mauvais. Toute cette partie de la semaine, nous avons eu des épisodes qu'on appelle cévenol, mêlés à des épisodes méditerranéens. Il tombait des trombes d'eau. Alors, il fallait bien se réconforter avec des petites douceurs. Ce dimanche, j'ai travaillé parce que j'avais quand même du retard. J'ai fait notamment des fiches Sajou, des kits, des aiguilles que je vous ai rentrées. J'ai surtout fait des photos parce que les livres ne sont rentrés que depuis cet après-midi et nous sommes vendredi. J'ai fait des photos et puis dans la fin de journée, je me suis dit que j'allais quand même pour un dimanche faire un peu d'activité créative et deviner vers quoi je me suis dirigée. Eh bien, vers mes fameux hexagones qui sont les choses qui m'accompagnent en ce moment un petit peu le plus tous les jours, je dois le dire. Alors, c'est amusant car en les cousant, je me suis dit que ça ferait un petit carnet à aiguilles absolument charmant en mettant à l'intérieur de la feutrine. Et depuis, figurez-vous que j'ai vu passer l'idée et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée si jamais on se trompe sur la taille des hexagones. Voilà, de quoi encore les recycler. Sinon, ce dimanche soir, j'ai aussi préparé une petite provision de manière à ne pas manquer de quoi en faire. J'ai découpé aussi la feutrine et j'ai rangé tout ça pour la semaine. Je ne vais pas vous mentir, je n'y ai pas retouché. Alors, j'ai décidé, pour essayer de consacrer un peu plus de temps aux loisirs créatifs, dans tous les cas, essayer d'en faire un petit peu chaque jour, quand je vois le bien que cela apporte. Je me dis que je ne peux pas laisser les choses au hasard. Quand on laisse le hasard faire, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je me suis dit que j'allais faire un petit peu ça à la méthode EV3. Je ne sais pas si vous connaissez Eve de la chaîne EV3. Elle fait de cette façon-là et sans me créer entre guillemets d'obligation, je trouve que l'idée est bonne. J'ai donc sur un carnet recensé un petit peu ce que j'avais en train et je me suis fait des petits papiers. L'idée est de tirer un petit papier si possible tous les jours et de découvrir ce qu'on va faire, à quel loisir on va se consacrer, en tout cas pendant entre 15 à 20 minutes. Voilà, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Déjà, je la trouve amusante. C'est amusant de tirer un petit papier et de ne pas savoir ce qui va sortir. Et puis, si on ne provoque pas le moment où on s'arrête pour faire quelque chose, même si c'est, comme je le dis, un quart d'heure ou 20 minutes, eh bien, finalement, la journée passera et on n'aura rien fait du tout. Et pour avoir testé, c'est vraiment, ça vous apporte vraiment une très très grande satisfaction de n'avoir pas l'impression d'avoir seulement passé sa journée à travailler. Vous avez la satisfaction d'avoir fait un petit peu quelque chose de créatif et c'est extrêmement gratifiant et ça vous apporte du bien-être en plus. Voilà, je n'en dis pas davantage, je termine mes petits papiers. Et je mets tout ça à l'intérieur d'une tasse. Maman, je sais que tu regardes ce vlog. N'aie pas peur, la tasse ne craint rien du tout. En recensant mes ouvrages, je me suis dit que comme il était long de faire tout le corps de cette petite saucisse en tricot, je fais référence à un kit de teckel
en tricot, je vais faire des petites rayures style marinière dans son petit costume. Ça sera joli. J'ai ressorti ces tricots roomies. Là, je pense que la taille convient. J'ai regardé. Puis même si ce n'est pas tout à fait ça, écoute, ça fera l'affaire. Ça va m'aider parce qu'il y a 82 rangs et je ne suis jamais très motivée quand c'est simplement du tricot. Donc je vais faire des petites rayures. Alors, je pourrais être en train de répondre à vos commentaires, je vous en remercie d'ailleurs, mais absolument pas, nous sommes lundi matin et j'ai énormément de travail de bureau que je dois faire. Voilà, beaucoup de travail de bureau, donc je ne vais pas dire que je réponds à vos commentaires, ce n'est pas vrai, surtout que vous avez dû voir que je n'ai pas fini de répondre à tous vos commentaires. D'habitude, j'essaie de faire 1 heure chaque matin, mais là, ça n'a pas été possible. Il y a une charge de travail beaucoup trop importante. Mais je vais essayer de finir avant dimanche, c'est promis. Donc voilà, je faisais du travail du bureau et je faisais des fiches produits. Je mettais en ligne ce que j'avais photographié la veille. C'est toujours assez long à faire les fiches produits. J'essaie qu'elles soient jolies et bien descriptives. J'ai quand même fait une petite promenade, ce qui m'amène à vous montrer, regardez-moi, ces magnifiques fleurs de cognassier. Alors, je suis contente parce qu'elles ont résisté aux deux tempêtes que nous avons essuyées et elles sont encore vraiment très, très jolies. Alors, je ne vous avais pas filmé hier parce que l'image était très très mauvaise. Hier, j'ai assemblé ces hexagones-ci. Alors, je vous redis tout de suite ce que je vous ai déjà dit. Faites très attention de faire des hexagones le plus possible de la bonne taille. J'en avais qui n'étaient pas de la bonne taille. J'ai essayé de biaiser un peu. Regardez-moi ça. Bon, ça va passer. Mais j'ai eu un petit peu de mal, je triche un petit peu par moment et il y a un ou deux hexagones, je ne sais plus, que je n'ai pas pu utiliser malheureusement. Voilà, je les ai attachés ensemble. Alors je ne cherche pas à sortir spécialement les couleurs ni quoi que ce soit, je verrai à mesure. Voilà, je m'y prends de cette façon-là, je les maintiens bien comme ça et puis je fais une petite couture. Voilà, quand c'est ouvert, c'est invisible. Là, vous voyez l'envers. Voilà, c'est un projet à long terme, mais un projet qui me plaît toujours autant. Et puis, comme je vous l'ai dit, je ne fais vraiment pas attention aux couleurs, hein. Je laisse les choses venir un petit peu comme une couverture en crochet, vous savez. Alors aujourd'hui, je vais tirer un petit papier. Nous sommes lundi après-midi. Je décide de faire une pause et de prendre un quart d'heure. Nous allons découvrir ensemble ce que je vais faire. Couture de la table de nuit. D'accord, oui. Vous savez, le petit carré dont je vous ai parlé. Je vais le reprendre avec vous. Voilà. Il faudrait que je le double. Et il faudrait que je pose un petit billet. L'objectif, c'est de le poser sur ma table de nuit. Voilà, c'est parti. Je m'occupe de ça tout de suite puisque je dispose de peu de temps. Un petit clin d'œil à ce nouveau puzzle de printemps que je commencerai un jour, peut-être cet hiver, qui sait? Je vais rectifier un petit peu le tissu. Alors, je suis toujours aussi surprise, hein, je vous l'ai déjà montré, mais regardez comme le tissu accroche sur ce molleton. Je viens d'ailleurs d'en recommander, puisque j'arrive presque au bout du rouleau. Ma commande est arrivée sans le rouleau de molleton. Voilà, j'ai demandé à ce qu'on me la renvoie, mais avec ma prochaine commande, il n'est pas question de payer du port pour un simple rouleau. J'espère pouvoir en avoir en réassort rapidement. Il doit en rester 6 ou 8 bandes, je ne sais plus. Voilà.
Me voilà partie à faire cette couture. Alors là, tout simplement, je fixe le tissu du dessous de manière à pouvoir fixer le biais. Le choix du biais, je regarde si ce mid-ci va bien ou pas, ou si ce bête-ci qui est un peu plus vif va bien, je ne sais pas trop, j'hésite beaucoup. Depuis, de nouveaux biais sont rentrés dans la boutique et j'ai un peu changé d'avis, mais ça c'est pour un petit peu plus tard. Finalement, il me semble que le mid-ci ira mieux avec mon projet et c'est là que je vous avoue que je ne sais absolument pas poser le biais dans les angles. J'en ai beaucoup posé de biais, mais pas dans les angles. J'ai commencé par consulter un peu des livres, je n'ai pas trouvé d'informations. J'ai donc regardé un tuto ou deux sur Internet. Voilà, je vais me lancer, on verra si j'ai bien compris. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire? Voilà, un échec cuisant, c'est le mot. Ce soir-là, je décide de faire aussi un peu de broderie. Il était assez tard, j'ai trouvé amusant de vous filmer à travers la loupe. J'ai donc fait cette petite couronne et puis je décide de faire également la petite bordure en bas. Et finalement, je ne fais rien du tout. Nous sommes le lendemain, il fait froid de nouveau. Vous voyez que les places au chaud sont chères. Et me revoilà dans l'atelier. À préparer vos commandes, je vous en remercie beaucoup. Je réalise que je ne vous ai presque pas parlé de ce tissu. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup, beaucoup faire une vidéo dédiée au nouveau tissu AcuFactum. J'en ai très envie, j'espère pouvoir prendre le temps de la faire bientôt. C'est vraiment quelque chose qui, bien que j'aime faire ce genre de vidéo. Je vais essayer de la faire la semaine prochaine. En attendant, je vous parle très rapidement de ce tissu. Alors, je l'ai appelé Jardin de printemps, je crois. C'est un tissu qui a quand même une dominante de vert. Mais regardez, tous les détails sont très jolis. Vous avez vu des petits fanions. Il y a des petites touches de couleur. Et puis, il y a tout ce qu'on aime aussi dans ce tissu. Il y a des contenants en zinc que vous retrouvez d'ailleurs sur cet autre tissu qui, elle, est une nouvelle création AcuFactum qui s'appelle Poésie de Jardin. J'avais pas pris le temps non plus de vous en parler avant de la mettre en ligne. Regardez-moi ce petit insecte avec son petit costume à pois. Le soleil est revenu. J'aime toujours autant le voir passer à travers ce tissu Tilda. Et je suis bien sûr au travail sur vos commandes. Je m'apprête à les préparer de manière à pouvoir vous les faire parvenir le plus rapidement possible. Alors ce jour-là, je ne tire pas de petit papier puisque je n'avais pas fait la veille, je n'avais pas fait la petite bordure au crochet. Je décide de la faire ce jour-là. C'est ma petite pause. Ça me détend beaucoup de faire ça. Je voulais vous parler un petit peu des commandes. Quelquefois, j'ai toujours tellement peur de vous faire attendre pour les commandes que quelquefois c'est en dépit du bon sens alors que je ne les fais pas partir dans un délai qui est déraisonnable la plupart du temps. Mais quelquefois, de manière à ne pas vous faire attendre 2 ou 3 jours, je finis beaucoup trop tardivement. Je suis en train d'apprendre à changer un petit peu les choses de manière à être beaucoup plus raisonnable, à ne pas m'épuiser et aussi à prendre le temps
eh bien, de faire aussi autre chose et d'apprendre à gérer ce stress de vous décevoir. Vous voyez qu'on parle vraiment de tout dans ce vlog. On parle de tout. Voilà, j'ai bien conscience que personne ne s'attend à voir sa commande partir dès le lendemain. C'est rare que ça puisse arriver. C'est très, très rare. J'envoie logiquement le délai mentionné est de 3 à 5 jours. En général, j'envoie dans les 3 jours. Alors évidemment, si ça tombe qu'il y a un week-end, je vais également essayer de ne pas travailler le week-end. Je veux dire de ne plus travailler le week-end. Alors, en ce mercredi, le temps était encore très, très couvert. Alors, j'ai très peu filmé cette journée-là, tout simplement parce que j'avais beaucoup de commandes à traiter. J'ai commencé très tôt. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez de la lumière artificielle et que les images ne sont pas très jolies. Je voulais à tout prix pouvoir repartir le lendemain. Je m'absentais l'après-midi. Nous en reparlerons dans la suite de ce vlog. Voilà, et je voulais absolument que le lendemain matin, les commandes que j'avais préparées puissent absolument partir. Je me suis toutefois interrompue pour vous montrer et vous parler de quelque chose. Alors, ça faisait un petit moment qu'en achetant les tissus chez Accufactum, je voyais leur kit de broderie. Alors, j'ai fait quelques recherches, on trouve facilement des grilles, des kits, je n'en ai pas trouvé à la vente. Mais surtout sur le site d'Accufactum, réservé donc aux revendeurs, il n'y a absolument aucune information concernant ces kits. On vous dit simplement « kit ». Donc je n'avais pas la moindre idée de ce que cela pouvait contenir. J'étais intriguée parce que le prix est quand même, il y a quand même un certain prix. Je me suis dit, mais qu'y a-t-il dedans? Est-ce qu'il y a les fils? Est-ce que voilà. On va découvrir cela ensemble. Je vais d'abord enlever le petit plastique de manière à mieux voir. Voilà. On va donc découvrir ce kit ensemble. Là, je ne l'ai pas ouvert avant. Alors. Bien, il y a une grille, déjà ça me paraît la base. Ça m'a l'air quand même assez gros. En fait, il y a plusieurs grilles. Je pense qu'il s'agit d'un grand modèle. Alors, vous avez donc une toile qui est en lin. Le nombre de fils, je ne sais pas, le nombre de points, 12 fils ou des choses comme ça. Il faudrait que je regarde par rapport à des échantillons Svegart. Vous avez les fils. Alors, c'est une marque allemande, donc difficile de connaître cette qualité de fil. Il n'y a pas vraiment d'indication. Je ne sais pas, peut-être les brodeuses peuvent le savoir. Alors, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas satiné. Je vais essayer de me rapprocher. Vous voyez, ce n'est pas vraiment satiné. Voilà, bon, ce sont des fils à broder. En fait, je réalise qu'il s'agit d'une très grande grille qui se divise donc en quatre panneaux. Moi, je ne suis pas du tout une brodeuse patentée, loin s'en faut. Ça me paraît le projet pour moi qui est un petit peu ambitieux. Je regarde un petit peu mieux du coup, parce que c'est en allemand. Je vois ici, vous voyez, les écheveaux sont en 100% coton. Effectivement, c'est bien du lin. Alors, quand je regarde le projet, je vois quand même que j'ai vraiment pas les épaules à faire ça. Je pense que je m'en servirai sûrement pour faire un lot. Ah, voyez, ici, il y a la dimension. En fait, effectivement, c'est assez grand, hein, presque 40 par 50. En fait, je vous sollicite de nouveau savoir si vous aimeriez que je fasse rentrer des kits qui sont propres à Accufactum. Alors, pas des grilles, hein. Il y en a qui font ça très très bien, les grilles, mais les kits, c'est beaucoup plus rare d'en trouver. Je me suis dit que je pouvais éventuellement vous en proposer. J'attends un petit peu votre avis sur la question. Et puis, si jamais, par hasard, vous avez déjà fait des kits Accufactum, j'aimerais beaucoup avoir votre retour sur les fils. Voilà, n'hésitez pas. C'est une petite idée que j'ai de manière à pouvoir étoffer un petit peu
la boutique au niveau des kits et puis surtout pouvoir vous proposer des choses que vous avez peut-être un petit peu plus de difficultés à trouver. Alors, vous aviez bien trouvé sur Instagram, je me rendais bien chez Aurélia de Dentelle Oxydée. Elle me recevait dans son atelier, alors un atelier à l'image d'Aurélia, un bel atelier original, oui, tout à fait à son image, puisque Aurélia est une créatrice poétique qui fait des choses vraiment magnifiques. Alors, je m'y rendais parce que je souhaitais notamment acheter et rentrer en boutique des coupons de lin que fait Aurélia, de manière à ce que vous puissiez les inclure dans vos créations. Donc, j'ai pris notamment des coupons de lin. Voilà, je vous l'ai dit, de manière à en rapporter. On a beaucoup discuté également avec Aurélia de la façon de les utiliser. Vous voyez ici des exemples, la façon d'utiliser bien sûr les coupons, mais également les rubans. J'ai ramené également des rubans de chez Aurélia. Aurélia est une créatrice française qui fait fabriquer les choses en France. Les rubans notamment sont tissés en Haute-Loire et elle fabrique la majorité de ce qu'elle vend directement dans son atelier. Et là, j'ai sélectionné des petites plaques métalliques qui sont tout à fait originales également, qui ont un petit aspect vieilli et ancien qui est tout à fait charmant. J'ai sélectionné certaines qui notamment concernaient eh bien, le monde de la couture, mais également le monde de la broderie, de manière à ce que ça puisse correspondre à vos goûts. C'est très difficile de faire un choix chez Dentelle Oxydée parce qu'en fait, vous avez tout simplement envie de tout acheter. J'étais quand même réduite niveau budget, je suis restée raisonnable. Et j'ai ramené également de ces très belles étiquettes en faux cuir. Ce sont des étiquettes qui se cousent ou qui se collent et qui passent à 90 en machine. Voyez le genre de création que l'on peut faire. Je n'ai encore rien mis de tout cela en boutique. Je compte quand même vous en reparler beaucoup plus longuement. Ça a été vraiment un très bel après-midi. Je remercie encore Aurélia de m'avoir accueillie dans son univers enchanteur. Alors le lendemain, je me suis occupée de vos commandes. Voilà, c'était un jour où il faisait particulièrement froid. Nous continuions encore à allumer la cheminée. Une partie de la journée également, avec l'aide d'Heidi d'ailleurs, j'ai fait des mises en ligne, des photos surtout, de manière à pouvoir enfin mettre en ligne certains produits que j'avais déjà depuis un petit moment. Ce n'est pas totalement fait, mais je commence à rattraper un petit peu mon retard. Je vous laisse admirer, mais notamment les nouveaux rubans qui sont arrivés. Et j'en profite pour vous montrer ce très joli tissu AcuFactum qui vient d'arriver. Alors, il s'agit d'une nouvelle collection. Alors, chez AcuFactum, vous avez des tissus qui sont généralement reproduits. Qui sont réimprimés de façon régulière pour l'immense majorité. Et vous avez, par saison en général, vous avez des inédits. Celui-ci notamment en fait partie. Alors en ce moment, ce sont un petit peu comme les autres tissus. Hein. Ça arrive parfois un petit peu au compte-gouttes. Voilà, je vous laisse admirer ce tissu extrêmement, extrêmement délicat. Ceux qui aiment les fleurs, là, vous allez être tout à fait charmés. Moi, j'ai vu immédiatement les fleurs à l'intérieur d'hexagones, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai vu aussi d'autres belles créations, notamment du patchwork avec des grands panneaux insérés quelque part, en référence à quelque chose que je vous montrerai d'ailleurs en fin de vlog.
Voilà, je vous laisse donc admirer ce très joli tissu qui fait donc partie de la nouvelle collection de printemps. Vous avez vu qu'il y a des petits bourdons. Et regardez ici, une fleur de trèfle. Je n'avais pas fait attention. Alors, à côté, il s'agit de liserons. Alors, ça, on aime un petit peu moins en général, hein, mais sinon, c'est extrêmement joli. Voilà, je n'en dis pas davantage. Je voulais aussi vous montrer celui-ci. Alors, lui, il ne s'agit pas d'une nouvelle référence. Hein. C'est un tissu qui est là déjà depuis un petit moment. La couleur n'est pas tout à fait fidèle. Fiez-vous plutôt à ce qu'il y a sur le site. C'est une couleur qu'il est difficile de rendre. C'est tout à fait printanier. Hein. Vous voyez les petits bulbes de printemps, les premières marguerites, les muscaries. Il y a un petit peu de tout ce qu'on aime au printemps aussi. Hein. Toutes ces petites fleurs qui annoncent la renaissance de la végétation. Voilà, une très jolie couleur, très profonde. Voilà, je vous ai rentré ces deux références-là en boutique. Je pense que le reste qui est commandé va arriver très certainement dans les jours qui viennent. Et voici le moment du tirage au sort pour les 1500 abonnés. Alors nous allons faire ça avec Heidi. Je vous laisse sur le petit passage que nous avons filmé. Bonjour. Alors, du coup, entre générateur de nombres aléatoires entre 1 et 89. Premier numéro 69. Bon, c'est à l'envers pour vous, mais c'est 69. Non, la vaisselle, elle est sur la plaque de gaz, cachée. J'ai pas le temps, là. Alors, attends. 69, premier. Après. On est parti pour le deuxième. 9. Après, le troisième. Ça va marcher. 58. C'est 58. Et le dernier, 21. Alors, 21. Maintenant, on va aller voir à qui ça correspond dans les commentaires. Alors, le numéro 9, c'est Katia Boutor, 75-93. Donc, la personne se reconnaîtra. Après, le numéro 21, on va regarder 20-21. Alors, c'est OGSM 1623 pour le numéro 21. Après, c'est le numéro 58, Karsma 5973 pour le troisième lot. Et après, le dernier lot, c'est le numéro 69. Donc, c'est Chantal Well 5067 pour le dernier lot. Voilà pour ce petit tirage au sort pour vous remercier de votre fidélité. Alors depuis, nous avons passé le cap des 1700. Je vous remercie beaucoup. Alors surtout, mettez-vous en contact avec moi, soit sur Instagram, soit directement sur le site, que je puisse vous envoyer vos lots. Poppy vous dit bonjour, voyez, toujours bien, toujours à fond. Je ne voulais pas conclure sans vous montrer le Marie Claire idée que j'ai été chercher cette semaine. Regardez cette nappe. Elle m'a immédiatement plu. Et quand j'ai vu le nouveau tissu Aquifactum, j'ai vu des carrés de ce tissu dans une nappe très printanière, comme ça, en patchwork. Voilà, voilà, ce projet m'enchante. J'espère pouvoir le réaliser rapidement. Et j'ai vu aussi cette planche à repasser. Je me suis dit que pour repasser vos jolis coupons, il était tout à fait indispensable que j'ai une table à repasser, une housse qui soit très jolie. Je vais m'atteler à ce projet. Voilà, nous allons nous quitter jusqu'à la semaine prochaine. Je remercie encore Aurélia pour son accueil et pour m'avoir permise de prendre de très jolies photos que je vous partage et qui embellissent ce vlog. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente semaine et encore une fois, merci de votre présence. Whoever said that's so impossible, that's not supposed to go there, doesn't know me well.
Oh, 'cause I know that today holds more. Yeah, so much more. So much more. Yeah, so much more.